Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Instant Métier avec Vitrine Média. J'ai rendez-vous avec Alexandre Blonde qui dirige l'agence Dominique Blonde. Justement, il va répondre à toutes nos questions. Venez, suivez-moi. Alors Alexandre, on le voit en arrivant d'ailleurs depuis la rue dans ta vitrine, tu as fait le choix d'avoir à la fois les affiches LED et l'écran finalement dynamique qui va apporter une autre diffusion d'informations. Tu as fait ce choix depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans maintenant que j'ai installé un écran en plus des affichages statiques. Évidemment, l'affichage statique, il est essentiel pour montrer ses biens de manière pérenne et sur le long terme. Communiquer sur les biens à vendre, communiquer sur les biens vendus ou éventuellement d'autres informations telles que justement l'obtention du prix de l'immobilier. L'écran dynamique a quand même un avantage, c'est qu'il va capter l'attention des passants. Et j'ai vu tout de suite la différence. Tu le vois ça, les gens qui s'arrêtent devant la vitrine, qui regardent l'écran. Je le vois régulièrement et c'est un plaisir de le voir, parce que souvent ils sont étonnés, ils décrochent les yeux de nous voir derrière. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut diffuser un contenu illimité. Le fait qu'il soit dynamique, justement, il va attirer le regard. Donc les gens s'arrêtent pour regarder tous les contenus qu'on peut mettre. Et naturellement, ils vont les diriger après vers les contenus statiques. Forcément, avec le rétroéclairage, c'est un vrai atout. Et ça, merci Vitrine Média de nous avoir aidés et accompagnés sur la création, l'implantation de ces vitrines, parce que ça fait vraiment la différence. Et en tout cas, bravo pour les contenus. On le voit, ils sont variés, diversifiés. Donc ça, c'est top. Ouais.